Bonjour YouTube, après avoir testé aujourd'hui Keeper into Keeper Alternatif, Lilith avec Lilith Alternatif derrière, on est parti pour essayer de débloquer Judas Alternatif. Je pense que là, globalement, on va faire que de l'unlock de perso jusqu'à ce qu'on les ait tous. Après, on fera les Mother avec tout le monde, mais. C'est marrant, je suis sûr que je fais partie des streamers qui ont le moins stream le chemin alternatif. Genre vraiment. Ah non, il y a MV qui a recommencé une save du début, mais. Genre le chemin alternatif, j'y suis allé 4 fois, quoi. 3 max. Si t'as pas le 1 000 000%, t'as pas les étages alternatifs. Les étages alternatifs, pour les voir, je crois qu'il faut battre Hush 3 fois, un truc comme ça. Oh ouais, je jouerai pas. Bah normalement tu l'as déjà fait, Hush 3 fois. Quoi? T'as jamais battu Hush? Ça m'étonnerait. Hush, c'est le mec dans la salle bleue là. Ouais. Tu l'as jamais défoncé? Sur tes saves? Ça m'étonnerait. Depuis 3 jours, on a aussi un Mintos alternatif. Oh merde. Il est au bout là? Il en peut plus là? Dans le succès, c'est marqué 3 petits points, 3 points d'interrogation. Donc c'est Blue Baby 3 fois qu'il faut faire? Ça, tu l'as du coup. T'as pas tué Blue Baby 3 fois? Mais là, tu te fous de ma gueule en vrai. T'as fait end challenge. C'est possible que si, c'est possible que oui. C'est possible que si, mais mec, genre, allume le jeu et va voir tes completion marks là. J'allumais le jeu et je voulais. Ah, mais non, bah, joue pas, mais genre. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait dans le jeu quoi. Est-ce qu'ils ont refait le fest de Judas? Normalement, oui. Hein. Ah, j'ai tant de mal à faire. 3 points d'interrogation, c'est pas le nom de Hush avant l'armure? Bah si, mais c'est aussi le nom du Blue Baby quoi. Non mais après MV je pense qu'il a déjà tué 3 fois le Blue Baby depuis qu'il a recommencé là non? Quand même. Je sais pas ce qui branle mais. Après y a N truc à faire dans le jeu mais. Ça me propose de l'acheter. Hein. Non merde. C'est Hush, pas Blue Baby, le 3 points en question c'est l'étage de Hush. Ah beat l'étage, ok d'accord. Oh je vais prendre une petite mort là. Oh, ça va être bien là. Oh, les start un cœur rouge Eden, hein. Avec ce genre d'ennemi, ça va être une. Oula. Oula. Ça va Skisha? Il est mort. La BSOD, je pense. Allô? Ouais, je sais pas, mec, t'es mort en fait. Mais en fait, ouais, je crois que mon PC il décède en fait. J'ai lancé un jeu et il est au fond. Ah ouais, d'accord. Coup dur. Coup dur pour le PC de la skige. Hein. C'est quelle version du perso? Normal, on va essayer de débloquer l'alternate là. Comment je sais Ah, je sais, j'ai eu le Golden God. C'est bien. Quoi? Chez Golden God. God, ouais, je sais plus ce que ça représente exactement. Une streak 0. Mais j'ai rien. En fait, j'ai rien fini. T'as rien fait sur le jeu? Bah, il me dit. T'as encore Boss Brain au moins? Tu vois? Le challenge Brains, quoi. Ce défi. Y'a plus d'XL ouais, si on a vu d'XL. T'as rien ça, j'ai rien. Attends, mais je suis sur la bonne. Fait corrupted. Elle est cassée ma save. Corrupted la non, save. Bon. Ok, j'ai trouvé une save. Si je l'ai fait, Brains. Ah ouais? Ah si, ah oui, j'ai quand même fait des trucs. Bah oui, t'as fait des trucs, mais. Comment c'est Blue Baby? Blue Baby, c'est le Polaroid, donc c'est un espèce de rectangle. Ouais, ou vers le milieu? Ouais, je sais plus lequel c'est exactement. C'est le rectangle avec un rond au milieu, je crois. Ouais, c'est le milieu, quoi. Ouais, bah je l'ai battu plusieurs fois, du coup. Ouais, mais c'est pas celui-là en fait. Finalement, c'est les espèces de points. Il y a des espèces de ronds qui forment une tache. Et c'est en bas à gauche. En bas à droite? Ouais, ou en bas à droite, je sais pas où c'est. Ça fait 4 ronds, tu vois. Comme le Stem ouais. Cells. Ah bah, je l'ai battu en normal. Oh, je l'ai battu en hard 2 fois. Ouais, je l'ai peut-être battu 3 fois. Aïe 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 aïe. Il a le chemin alternatif. The Lost, j'ai rien. Les ronds qui forment une tache, c'est le visage de Lilith, Hush. J'ai rien. Le visage de Hush? Ah ouais, c'est le visage de Hush, ouais. Hein? Mais vous le voyez où, le visage de Hush, là? Ah ouais, moi je le vois. Hein? Bah ils sont où, les yeux? Bah c'est en haut, là. Un truc en haut. Et en bas, c'est la bouche. Ouais. Ah bon? On dirait une grenouille. Ouais, c'est parce qu'avec le truc rouge autour, c'est moins bien. On voit moins bien. Ah oui, parce que tu l'as en normal, toi. Moi, je sais pas quoi il ressemble en normal. Bah, t'enlèves les trucs rouges. Ah ouais, peut-être que si on enlève le contour rouge, il y a un truc quoi. Oh, je suis en moins 10 de win streak.
Oh, je le fais en hard sur Isaac. Nous fait le coup du C de Carrefour. Aïe 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 aïe. C'était donc ça quoi. Faut bien ce jeu. Ah mais en vrai vous avez un peu fumé quand même, hein. Vous fumez un peu du shit hein. Ça ressemble mais ça ressemble vite fait quoi. Bah quand même. Oh il fait nuit putain. La porte bleue c'est le chemin alternatif. C'est, je me suis fait chier tout. Non merde ça y est il a commencé. Ce qui jase sur Isaac ça faisait longtemps hein. Normalement là, c'est pour ceux qui sont sur la chaîne depuis très longtemps, rappelez-vous, si Skija joue à Isaac en même temps que moi, vous pouvez suivre deux runs en même temps en fait. Vous pouvez suivre celle qui est à l'écran et une autre en mode radio quoi. Putain merde. Ouais, le pentagramme, ça vient de là. Qui est plus intéressante. Généralement l'autre run est plus intéressante que la mienne. La gueule pistette. Que toi tu gagnes tout le temps, c'est chiant, y'a pas de suspense. Mec, j'ai déjà perdu 8 fois sur l'extension en 3 jours là. C'est énorme. C'est énorme mec. 3 jours, combien d'heures de jeu? 34. Mais c'est énorme. Ouais. Ah ça fait beaucoup ouais. Buddy in a box. J'ai pris ma beat in a box. C'est une mort toutes les 3-4 heures. C'est my beat in a box. Après mec, il y a des vrais dingueries dedans. Ah hop, ça c'est pour SPP. Oh, take 10. Quoi? Ah si je fais pas Hush, je sais pas comment va Hush, mais si je le fais pas. 30 minutes à Womb 2. Ok, moi je le fais pas. Bah si tu le fais mec. Avec take 10 au start mec, tu le fais gratos. Chériol. Quoi? Il est là pour trigger le chat. Oh, chériol. Hein. Non, mais chériol pour l'avoir. Ah oui, bah j'imagine, ouais. Un coup de génie. Non, mais il a pas repentance, donc là, il est sur l'ancien Tech 10. Là. Ouais. Ah, il est moins bien le nouveau? Ah, apparemment, ouais. Il y a l'ancien et le nouveau. Bah après, moi, je sais pas parce qu'on me donne pas des bons objets dans le jeu, donc Tech 10, je sais pas à quoi il ressemble en fait. J'ai eu le couteau un peu hier. J'ai entendu dire que c'est de la merde. De quoi? J'ai entendu dire que c'était de la merde. Tech 10. Bah oui, c'est moi qui viens de te le dire. Mais t'es rebou ou comment ça se passe? Ils mettent quoi dans les Carl Junior, mec? Mais j'ai pas mangé de Carl Junior encore. Et t'avais des sacs achetés? Ouais, mais il y a deux semaines et un de la semaine dernière. Merci WeWorld pour les 2 mois Prime Gaming. Je me souviens des jeux coop avec la skiche, ça c'était une belle brasse. Mais on fera WeWorld Here. 4, ouais, je sais plus comment il s'appelle encore. Together, non, c'est comment du coup? We were here. Forever, c'est maintenant? Non, je sais pas. On fera ça à deux quand ça sortira, mais on fera surtout le jeu coop là. Par les gens tout, de là. A Way Out. Ouais. It takes two. Ouais. Il faut être deux quoi. On dirait Timon et Pumba dans votre duo. C'est qui Pumba? C'est moi? Lui, c'est Timon le brasseur et moi, c'est Pumba parce que je lâche des ruines. Je lâche pas de ruines, hein. Quand vous aurez le stream en odorama, mon avis sur Repentance, c'est trop bien. Je n'espérais pas que ce soit aussi bien, mais c'est trop bien. Le progrès du jeu est trop bien, faut voir après quand on aura fini le jeu, hein, mais pour l'instant, la road tout 100%, elle est trop bien. C'est bien. En plus de ça, ils ont l'air de vouloir d'être d'accord sur le fait qu'il y a des trucs qui sont un peu abusés dans l'équilibrage, donc ils vont apparemment revoir les shops. Ils vont peut-être revoir aussi d'autres petits détails qu'on n'a pas encore en visu. Mais pour l'instant, c'est bien. Caca arc-en-ciel, ça heal. L'odorama sur Isaac, c'est non merci. Non mais l'odorama du streamer. Il y a plein de QOL, mais tout en vrai, genre... J'ai un truc qui ressemble à un foie, est-ce que c'est bien? Ah, c'est le Rolliver, c'est dans une salle secrète? Non, c'est une salle d'item. Il existe en salle d'item le Rolliver déjà? C'est deux cœurs rouges, quoi. Si c'est vraiment un foie, hein. Oh, j'ai bombe dans les bombes, du coup. J'ai reroll parce que c'est un. Monstro's Lung. Ah, c'était peut-être Monstro's Lung, mais il m'aurait dit ça ressemble à des poumons. Ça ressemblait pas vraiment à des poumons. Oh, puis Monstro's Lung, tu sais à quoi ça ressemble en vrai. Ouais. Ouais, bon, voilà. Enfin, quoique, je sais plus. Ça ressemble à la tête de Hush, mais sans le rouge autour. Sans le rouge autour. La gueule pisse patte.
La nouvelle spécialité de Lilith, oh, c'est... je vous conseille de retourner dans le passé du stream pour aller voir, parce que c'est compliqué. Hein. Lilith, maintenant, dans son personnage alternatif, elle lance un fœtus depuis son corps, et c'est au bout du fœtus que tu tires des larmes, mais le lancer de fœtus fait beaucoup de dégâts. C'est vénère. Elle est enceinte et elle se bat avec son fœtus, quoi, en gros. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar quand on en parle comme ça, mais c'est un truc à voir. Quoi. Je sais pas si je garde la Guppy Spat, je pense pas. Ah, Dimizufani. Ah oui, non, mais c'est un cauchemar. Hein. Visuellement, c'est un cauchemar, mais bon, Isaac, on s'est habitué au cauchemar. Quoi. On s'est pété, ça. C'est pété, Keeper alternatif, de débloquer ça, là. Bah bien, ralasse. T'as toujours pas d'aile repentance, j'ai méga peur. Hein. T'as peur de... T'avais 100% Mizufani jusque-là, ou tu joues tranquille? Tu viens de découvrir un nouvel effet des Ace, c'est incroyable. Bon, vas-y, dites-moi, ça fait quoi, les Ace? Attendez, non, me dites pas. Attends, je regarde pas le chat. Dites pas, mais dites-moi d'abord, selon vous... Si c'est trouvable de son côté ou pas. Mais dites pas. Annulez tout. Écrivez d'abord une salve de Rin. Histoire que quand je repose les yeux sur le chat, je vois pas ce que je voulais voir. Hein. Mettez une bonne salve de Rin. Et ensuite, on parle de si c'est trouvable ou pas. On a d'ailleurs une bonne salve de Rin. Ou comme ça, faut que je remonte le chat pour voir ce que Mizufani a dit sur Isaac. Elle a dit, j'ai toujours pas d'elle... Non, bah, elle a rien redit du coup. Il me manque que Keeper, j'arrive pas à ce perso de mort, je le hais. Ah bah sur Repentance, c'est beaucoup plus simple, hein, Keeper. Hein. Ah ouais? Ils ont simplifié des trucs. C'est vrai qu'ils avaient compliqué les choses. Bah ça dépend sur quoi, mais Keeper c'est devenu un vrai personnage, quoi. D'ailleurs, il est trop bien. Il a de la vie et tout. Et il a 3 PV maintenant. À condition que t'aies fait quelques trucs avec lui, je sais pas ce qui débloque le fait d'avoir 3 PV, mais moi, vu que j'avais déjà fait, je l'ai. Et il peut payer des... Bien. Cancer, l'objet? Item, ouais. Ouais, c'est 3 cœurs bleus et quand tu te fais toucher, les prochaines touches dans la salle, elles te font un demi-cœur. Le triple shot est meilleur. Et c'est trouvable, mais pas si tu connais l'ancien. Ah. Et si tu connais le nouveau? Ah, attends, je pense savoir. C'est pas un truc genre Ace of Spades, si tu l'utilises sur des clés qui sont par terre, ça les double ou des trucs comme ça? Genre nous on l'utilise pour transformer des consommables en autres consommables, mais ça se trouve si tu l'utilises déjà sur des trucs. Non. Ah. Et en plus de ça, il peut payer des Devil Deal Keeper maintenant. Il les paye avec de l'argent. 15 pour un Devil Deal qui coûte un cœur rouge, 30 pour un qui coûte 2. Donc tu peux jouer Devil Deal Keeper, quoi. The Lost a plus l'Holy Mantle. Si. Le Zolos normal, il a subi un énorme up, parce que Zolos normal, il commence avec le D6 éternel, c'est un D6 à 2 charges, mais qui a une chance sur 2 ou 3 de virer l'objet que t'essayes de reroll. Le truc, c'est que bah, comme tu t'en sers que sur les objets que t'es censé pas prendre, c'est que du bonus, et sachant que le D4 servait à rien. Mais il peut prendre plus qu'un seul Devil Deal dans les Devil Deal, il a le, bah, voilà, quand t'en prends un, ça fait disparaître les autres. Et c'est tout pour The Lost, je crois. Par contre, le The Lost alternatif n'a plus Holy Mantle. Hein. Mais il a un autre bonus. Merci Bobby Jones pour le Prime. Transforme le Prime en abonnement T1. Le Prime qui passe en abonnement T1, c'est un peu le plan cul où finalement tu te mets en couple, quoi. C'est un peu, voilà... T'es prime, bon, c'est un peu le plan cul. Et après, tu passes T1, il y a un engagement, quoi. Bon, tu peux à tout moment annuler l'engagement, oui. Tu vois, mais... Et Steven. De quoi? Ah, Steven, c'est bien. Steven, l'item, pas l'objet. Little Steven, non, ou Steven? Ah, Little Steven. Ah bah. Ouais, j'aime pas Steven. C'est un peu de la merde. Mais trop bien les primes. Hein.
Crudet Caves XL, mais moi je suis dans mon meilleur... Oh, oh là là, oh, je peux arnaquer le jeu et refaire... Je peux faire 4 fois catacombe, quoi. Oh non. ...50 mois de plan cul. Putain, Plasmar, t'as réussi à remettre 50 mois le Prime Gaming par mois. Oh là là, enfin... À pas te planter et tout. C'est beau quand même, hein. Pas les Chimintos. Même pas craqué pour le mettre autre part, quoi. Ah, c'est ça, en plus. Bah, ah, non, mais la comparaison va loin, parce que le Prime, voilà, tu peux changer de plan cul tous les mois, tu vois. Le sub T1, bon... Tu peux en avoir plusieurs, mais c'est caché, quoi. Merci, Pwelt Maxi Cool pour le Prime. S'obtient, t'as le droit, quoi. Ça a été discuté. Mais quelle connerie. Quelle connerie. Ah, t'as run, ah. Pas ce que je dis, oui, non, ce que je dis, c'est la vérité, c'est la sagesse. Non, ça a toujours été des conneries. Si on m'offre un sub, les offres de sub, c'est un peu l'orgie, tu vois. C'est un peu, on se met tous dans une pièce et, avant le Covid et puis... Oh mec, j'ai eu le Golden Rasoir. Pain from Gain. Le rasoir goldé. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je prends les trucs, quoi. Je prends les objets, c'est ça. J'ai pris des balles. Le T2 et le T3, bah le T2, c'est le concubinage et le T3, c'est le mariage, quoi. Oh la connerie. Oh la connerie. Merci Guitou. Je vous ferai un sub à Orgie Fatale. Combien? Pain from Gain. Golden Razor. Moi j'ai l'impression que ça va me donner des pièces contre de la vie. Il y a tellement d'objets qui font ça. Ah non, on paye pour avoir du damage up. Oh là là. Ok, un classique quoi, mais il n'était pas dans le jeu. Hein. Est-ce que je peux le faire plusieurs fois dans une salle? Ah ouais. Je peux payer pour du damage up, quoi. C'est rigolo, ça. En fait, la nouvelle méta aussi, c'est de débloquer des objets. Il y en a des biens, hein. Que dans une salle. Ah oui, bien sûr, bah oui. On n'est pas sur Judas alternatif, non. On est sur Judas normal pour débloquer Judas alternatif. Oh tiens, il y a deux pilules pareilles. 48 heures énergie. Ah, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça, je prends. Yes, mother. Imagine les 999 pièces et tu payes tout sur le boss. Moi je pense que c'est logarithmique, tu te fais baiser je pense. On a débloqué combien de personnages alternatifs? On a débloqué Isaac, Kane, The Lost, Keeper et Lilith, 5 je crois. Parce qu'à chaque fois on le joue derrière et comme je suis en Orizette, on peut pas faire genre oh tiens à quoi ça ressemble et après se barrer quoi. Si je lance une run je vais au bout. Golden Razor, 5 pièces, j'ai un damage up. Chez tout. Un défi Sugar Daddy, t'as l'activable. 99 pièces, mais money égale power. Aïe aïe. Du coup, si tu l'utilises, tu perds tes dégâts. Tout en gagnant. Mon préféré, honnêtement, les 5 que j'ai débloqués, ils étaient trop bien. Peut-être The Lost, ça me paraît un peu bizarre, le better item. C'est pas si ouf que ça, j'ai l'impression. Mais les autres étaient vraiment bien. Kane retourne un peu le cerveau. Je vais quand même pas prendre la guillotine pour voir ce qu'elle fait en maintenant. Elle fait rien de plus, hein. C'est toujours de la merde. Il y a un damage up qui est peut-être plus gros qu'avant, je sais pas. Tears up en plus, mais c'était déjà le cas. Double trouble the frail.
Yes. Arrête! Oh non! Petit double trouble the frail là. Miam miam miam. Oh, j'ai kiffé là. J'ai pris beaucoup de plaisir là. Allez, le retour. Le match retour. Pourquoi j'ai pris la guillotine? Putain, c'est de la merde, je le sais en plus. Voilà, bon, au moins c'est fait. Je veux pas non plus balancer toutes mes thunes sur du dégâts up, quoi. Elle donnait tears up avant. Non, elle donnait moins 1 de tir delay. Donc là, je pense que c'est toujours le cas. Tu peux sûrement aller plus loin dans le tir rate. Mais bon. Ça reste la guillotine, c'est chiant. Quoi. Putain. Je crois que je vais crever. Je crois que je vais crever, là. Putain, je suis mort. Void Rage ne donne que 0,30 de plus en vitesse. Eh oui, eh oui, eh oui, 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 oui. Ça... Aïe, aïe, aïe. Curse of the Blind, beaucoup de plaisir. Bomb Spurl. Du coup, par contre, ramasser les blinds de... Merde, j'espère que ça peut pas exploser, lui. Ah non, mais Little Horn, ça a bien changé. C'est plus le même objet. Little Horn, en fait, ça fait pop des mains de Big Horn. Maintenant, les blinds dans les coffres jaunes, il y a quoi? Il y a Experimental Treatment qui te fait chier, quoi. Quand tu prends BFF, la tête est plus grosse. Normalement, oui. Oh, Little Horn, c'est tellement stylé. L'autre effet est peut-être plus fort quand même, à moins que la main one-shot les ennemis de base. Pointy Rib. C'est pas avec ça qu'on va faire grand chose, hein. Oui, ça OS. Ouais, bon. Est-ce que Pointy Rib ferait pas un peu plus de dégâts qu'à l'époque aussi, ouais. Mais je suis trop con, j'avais vu que c'était un explosif. J'ai quand même mis ma tête dedans en mode oh tranquille. Piggy Bank. Et là, paf, tête KO. De guiche, c'est bien ou pas? Comment? Arrête, la guillotine de merde! De quoi? Tête de guiche. Ouais, oui, non, mais oui, oui. C'est un familier qui ralentit les ennemis. Ça va te faire du dégât en plus, donc prends. Quand tu commences à pas prendre Little Guiche, c'est de... J'ai pas utilité mon... Coup dur. Skige pas opti. Skige pas la moindre opti. Alors que j'ai acheté, en plus j'ai acheté More Option. Quand t'étais dans le chemin alternatif, les cartes de tarot n'étaient pas différentes, avec des effets différents, genre la justice. Non, la justice, c'est que j'ai débloqué une justice différente. Et j'ai rien compris à ce que ça faisait. C'est bizarre de me voir jouer les blinds. Putain. Pas souvent, hein. Même les pilules, on a joué Day One, là j'ai arrêté, mais... Golden Razor, ça fait des dégâts contre des pièces. Mec, t'as pas le droit de pas optimiser More Option, hein. C'est chaud quand même. Hein. Non, mais j'ai trop pressé là d'aller à Hush. T'as Tech 10 toujours là? Ouais. Attends, mais ça fait plus d'une demi-heure là, non? Ça fait 17 minutes.
Ah ouais. Je fais Nécropolis 2. Ouais, je vais laisser un trinket. Ne vous inquiétez pas. Fistule. Jean la fistule là. Breakfast. Little Brimstone. Oh, j'ai envie de crever, putain. Attends, mais quoi? Il s'est mis devant les autres, Little Brimstone? C'est marrant, ça. Ouais, j'en... Est-ce que ça fait pareil avec Incubus? Oh, je peux rejouer le match encore. Pourquoi? Je rejoue le match, là. Ils ont compris qu'ils servaient à R s'ils étaient pas en premier. Oh, ça, c'est bien, ça. Bah, ça, c'est un buff, hein. Ça, c'est un gros buff. Un Incubus, deux Lil Brim, trois les autres. Incubus se met toujours en premier. Oh, oh, trop bien, ça. Oh, tellement bien. Quel plaisir, quoi. Bon, ça fait juste trois fois que je fais Flooded Caves, quoi. Tout va bien. Pourquoi il y a Yoda? Ah, parce que j'ai le bébé aléatoire par étage. Ah, c'est ça, ça buff tous les familiers, en fait. Parce que du coup, tu prendras toujours un Little Steven au premier étage, quoi. Non, je pense que c'est pas le dernier familier qui est le plus proche. Faut prendre ce que tu veux, c'est après It Leaves, donc... Le pentagramme. Oh, putain. Le vrai pentagramme, c'est là. Oh, j'ai envie de tout prendre. Oh non, je vais pouvoir... Bah, le planétarium, on sait que ça existe, mais j'y suis pas allé encore, parce que bah c'est chaud, normalement, hein, planétarium, faut pas avoir d'item room, donc... Donc c'est un peu compliqué, quoi. Oh, j'ai toujours pas pris l'item room. Je vais y aller à poil, hein. T'as eu des dingueries avec ton tech 10 ou t'as eu que de la merde? Je suis à poil, je te dis, j'ai loupé la moitié des item room. Le pire, putain. Bon, ça y est, je suis mort. Des dingues! Ah, t'es de retour, SPP. J'arrête pas de le dire tout à l'heure pour essayer de voir si t'es là ou pas. Pourquoi il aime pas ça? Il aime pas quand je dis dingues ou dinguerie. Mais pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Lui, il est dingues, il a l'impression que c'est genre Christian Clavier qui fait... C'est ok, les dingues. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. Quand j'avoue, la musique de Ridiculon sur le planétarium, ça ressemble à quoi, à votre avis? Oh non. Oh, la pire salle. Vu que tu peux récupérer les item rooms avec le backtrack, ça peut être insane planétarium. Ah ouais, c'est vrai. Si tu veux, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça. J'avais pas du tout pensé comme ça, mais il est vrai que sur une run où tu veux aller sur le chemin alternatif, tu peux ne prendre aucune item room, aller choper un planétarium en espérant qu'il soit bien. Après, faut voir si les items de planétarium sont meilleurs que dans Antiburst, parce que c'était pas trop le cas. Hein. C'est quoi le planétarium? Bah, je viens de le dire là. Je viens de dire que c'était une salle où pour y aller, faut pas ramasser les item rooms. Après, de base, je crois que t'as quand même une chance de planétarium. Même si tu ramasses les item rooms, elle est tellement faible. Hein. Oh. Oh putain, mais encore une fois, j'ai genre la Satanic Bible et je vais pas la prendre et ça va me chier la gueule, putain! Mais là, je prends Satanic Bible, j'ai gagné, quoi. Mais comme je suis un tocard, je vais vouloir garder le Golden Razor pour le tester. Oui, je vais Void, mais attendez, je choisis mon objet, là. C'est moi ou... Non.
Pourquoi je garde le rasoir nul? Mais parce qu'il est pas nul. J'ai vraiment pris la guillotine. Ouais, je voulais voir s'il y avait un changement. Le but de cette run, c'est de débloquer le Judas alternatif. Oh, je suis mort. Avec tech 10. Ce qui déjà, faut se remettre là. Relance. Non, mais je vais me barrer. J'ai du courrier. T'as eu courrier? Ah, mais ton PC il meurt. Hein. Même quand t'éteins un jeu, ton PC crève. Ce qui déjà qui déçoit quoi. Ah, je sais. Je me suis déçu moi aussi. Ah merde, la Satellite Bible, du coup, c'est vrai qu'elle fait ça. C'est déçu lui-même, quoi. Bon, on va garder ça. Du courrier. J'ai pas beaucoup de pièces pour le rasoir. Ouais, mais on est à l'étage 1. Pareil, catacombe 1. Même si ça fait déjà 3 fois qu'on le fait, quoi, mais... Catacombe 1. Du tir rate, pas de dégâts, un peu de shot speed, un point de luck et de la speed. Je crois qu'on peut utiliser les bonnes arts en Devil Deal maintenant. Pourquoi les livres ont disparu? J'ai utilisé la Black Rune. La Black Rune, elle absorbe les objets pour les transformer en statistiques. Trinket, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Je vais me prendre un P sur la tête. Il est où Magic Mush dans les champignons là? Il est parti la skige là? Je suis là. Ah non. Je croyais que t'es parti sans que je dise au revoir. Non mais je vais revenir, je cherchais mon courrier, je reviens. Ah merde, le mec c'est je vais partir. Et il ferait des blagues du genre bon bah je vous quitte. Bah, je reviens dans 2 minutes, je vais juste chercher un truc à manger là. Bah allez, c'est mon dernier stream aujourd'hui. Avant ce stream de ce week-end. C'est un petit clown, quoi. Je suis un petit clown. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nouveau skin de Mama Mega? Pas de stream ce soir. Si ce soir. Non, enfin je veux dire on va cut plus tard que les autres jours. J'ai cut à 18h et 19h hier. Aujourd'hui il faudrait cut entre 21 et 22 quoi. Et je pense le faire en une fois parce que hier la pause elle m'a pas du tout. Ça m'a pas reposé en fait. Magic Mush, il est où? On sait pas, il n'existe plus dans les champignons. J'ai le seum. Encore une bibliothèque? Da fuck. Oh mais ils sont tous là. Plus de pause à 18h, bientôt les pubs, c'est Noël. C'est pas Noël, mais c'est pas les pubs non plus. Mais... Bah si je fais une pause, je vais encore faire un stream de 2 heures. Quoi.
Mec, ça va Mintos? T'es levé à 7h là? J'ai vu que tu t'es levé à 7h. Tu dis ça va. Il doit être bien là. C'est un malade hein. Il va à 7h hein. T'as tout débloqué là, tous les persos? Mec! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. J'ai vu des dingueries là. Bah oui. Ah bah il y a des dingueries, il y en a hein. Ah, il y en a d'autres encore hein. Il y a d'autres dingueries encore? Ah ouais. Oh là là, il a découvert des secrets quoi. Des secrets beyond the beyond quoi. T'as joué la Red Key un peu, non? Non. Aïe aïe aïe. Non mais j'ai vu d'autres dingueries. T'as débloqué des persos un peu ou pas? La masse. Oh Spider Baby, est-ce que ça a été up? Hop. Masse. T'as débloqué Keeper? Non. Oh mec, la dinguerie Keeper. Ah ouais, j'ai vu des dingueries là. Demain là. Tout le monde veut que je le débloque. Keeper, tout le monde veut que tu le débloques? Ouais. Mec, c'est. T'es pas prêt hein. Ouais. Keeper. Mais déjà, Keeper V1, t'as testé? Non. Mais c'est un vrai personnage maintenant. Hein. Ah ouais? Ah bah c'est fun, hein. C'est bien. Ah ouais? Ah, le personnage est bien. Hein. Ah ouais? Ah bah non, mais c'est pas une blague, hein. Genre Keeper, bien. Mais The Lost, pareil, hein. Le nouveau The Lost, trop bien. Bon, The Lost alternatif, tu l'as ou pas? Ah, y'a Mizufani. Mizufani, t'es rentré? Ah merde. Attends, il va t'aggro pour du travail là. J'ai du travail là. Mizufani, aide-moi, s'il te plaît, les miniatures. Il arrive là. J'arrive là. Merci The Reaper tout à l'heure pour les 9 mois. Il y a des gens qui ont fini leur plan cul tout à l'heure aussi. Merci Lenka pour les 5 mois. Désolé. T'es là Lenka encore? On est en coupe maintenant. Et puis c'est plus le plan cul. Faut pas que je dise ça t'as parce que. T'as les bloqués qui? Enfin, déjà. On rigole, mais il y a des gens qui vont partir en. Car Junior ou quoi? Ouais, Car Junior, ouais, ce soir. Ce soir là? Quoi? Ouais, ce soir. Ah, yes. Le mec, moi ce soir, je me fais un truc aussi là. Non, je peux pas, en vrai, sinon demain, je suis au bout. Non, ça fait ça redonne des forces, hein, Carl Junior. Mais mec, t'as vu des dingueries, genre des fins en plus et tout là? Oh, j'ai vu, non, vu des dingueries. J'ai vu des trucs que t'as pas vu, à mon avis. Hein. Bah ouais, des chemins en plus et tout là? Oh, pas des chemins, mais des choses. Oh putain. Des boss? Ah non, mais j'ai eu des secrets bizarres. Hein. Ouais. Mais en pétant le jeu, tu vois, en pétant le jeu, j'ai eu des secrets bizarres. Ah ouais. Et après, il y a des trucs bizarres qui. Après, il y a des trucs bizarres qui ont pop dans. Aïe 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 aïe. Ouais. Je reviens. A tout de suite. C'est jamais fini le jeu, il est trop bien. Hein. Ouais, il est bien le jeu. T'as débloqué qui toi? J'ai débloqué. Hier soir, j'ai fait The Lost. Ouais, je l'ai. The Lost Alternative, c'est chaud un peu quand même. Hein. J'ai essayé une run, je suis mort à la bombe quoi. C'est pas chaud. Y'a quoi? Y'a Keeper? Keeper que j'ai débloqué ce matin? Le mec Keeper, j'ai failli passer le boss final là. Ah ouais? Mec Keeper, j'ai eu l'épée. L'épée qu'il y a dans le défi de Zelda là. Ouais. Je l'ai débloqué ça, du coup je l'ai eu dans ma première run Keeper. Et genre full corps à corps, j'arrive sur le boss final, je prends deux coups, je m'en sors bien. Et mec, au pixel de vie, genre il avait plus les cornes, il avait plus rien, il allait crever. Et il y a un coup d'épée qui m'envoie dans la lave. Hitbox. Il lui restait rien, tu vois. Du coup, Keeper alternatif, j'ai joué. J'ai débloqué Lilith aussi. T'as fait Lilith? Non. Un mec, tu vas kiffer. Hein. Lilith alternatif, tu vas kiffer de ouf. Et pareil, genre Lilith alternatif. Bah, Lilith de base. Je joue Lilith de base. Pas moi. Et du coup, je veux débloquer le personnage. Et tu sais, comme je suis en Orizet, j'ai pas une run folle. Mais tu sais, je fais des erreurs. Du genre, au lieu de prendre un bouquin qui heal, je prends la Red Key, tu vois. Pour tester la Red Key, je fais des trucs comme ça. Je prends des pilules, j'ai tears down et tout. Et du coup, j'arrive sur le boss avec un build pas ouf. Je prends aucun coup sur Dogma. Mais après, je me suis fait défoncer par l'autre, quoi. Et pareil, je perds à rien, quoi. Donc j'ai fait Lilith et là, je suis en train de faire Judas, là. Ah tiens, Judas, je veux le faire demain. Carbatterie. Non, j'ai fait qui? J'ai fait Eden. Eden, je crois que je me suis fait spoil. Eden. Forgotten, j'ai un peu la flemme. Hein. Forgotten, je vais te le faire. C'est très bien.
J'ai un peu la... Ouais, mais t'as gagné ta run sur Rose qui joue. Ouais. T'as gagné la run Forgotten ? Parce que moi, je sais pas... Ah, gagner ? Bah, battre le boss, quoi. Non, j'étais pas loin, mais j'ai trop. C'est là que ça brasse ? Ah merde, putain. Nous, on fait pour enlever le temps et le score, là. C'est avec Select ? Bah non, Select. Non, Select, ça l'affiche, mais moi, il reste en tout le temps, en fait. Oh, y'a peut-être une option pour ça dans les options. On peut appuyer à. Vite fait. Pas... Ouais, si tu restes appuyé reste sur. Appuyé. Pas, hein. Bref, aujourd'hui j'ai fait Azazel, Eden, The Lost, Forgotten. Azazel, j'ai... tu vois, c'est pareil, j'ai envie de le débloquer, mais j'ai. C'est chaud parce que en vrai. La dernière fois que je suis allé avec Azazel, je savais pas qu'on pouvait débloquer des persos, donc j'ai pas débloqué le perso. Je pourrais déjà l'avoir, quoi. Mais je me suis fait défoncer par le boss, c'est trop dur Azazel contre oh, le boss au corps à corps. Mais j'ai joué comme une merde, putain. Ouais, non mais c'est chaud, c'est chaud ce boss. Rien, il me restait rien, une. Ouais, secondes. Mais quand tu dois le jouer au corps à corps, ça se joue toujours à rien derrière, parce que c'est chaud d'aller au corps à corps contre lui. Ah, c'est que vous êtes nul aussi. Bah ouais. Ouais. Bah on te regarde, vas-y, prends la manette là. Vas-y. Ouais, tous ceux qui étaient là, ouais, ils sont où les cœurs bleus ? Toi, tu t'aurais branché une deuxième manette, tu me l'aurais filé, ça serait. C'est une radio libre, chie, prends les viewers en vocal. Bah ouais, mais Ben, t'es pas sur mon Discord donc tu. Voilà. Si t'étais sur le Discord là. Tu sais, tu tires 3, Ben. Ah merde. T'auras peut-être moyen d'avoir un Discord. Tu sais tout. Aïe aïe aïe. Elle est bonne la bouffe en ce moment, Mintos ou pas? Ben, il ralasse bien la bouffe ou pas? C'est de la merde, non, je bouffe que de la merde là. Hier c'était vraiment de la merde. Parce que pourtant tu fais des heures de stream ben, là. Ben, il peut tirer. Tu te lèves plus tôt que prévu et tout, normalement. T'as des tickets resto? Je suis pas mal là. On a bientôt les tickets resto quand on va devoir ouvrir la SASU là. Mais vous streamez autant que moi hein? Bah ouais. SASU. Ouais. Ah, tu vas ouvrir une SASU? Bah si je dépasse le plafond, je suis obligé. Hein. Sinon l'URSSAF vont venir me voir, vont me faire. Eh oh eh, ça on peut pas vous prendre l'argent là, c'est pas normal. Il a fait Apollyon et non Forgotten. Ah t'as pas ah fait oui, Forgotten. Apollyon. Ah oui, ah non, il brasse. C'est vrai que ton voisin il perce des trous dans tout à fond. Ah c'est l'URSSAF qui vient là. C'est l'URSSAF qui creuse. Il y a quoi comme avancement aujourd'hui? Keeper, Lilith, mec. Et du coup là on fait Judas. Oh mec, c'est quoi cette dingue? Enfin, c'est pour SPP que je dis ça. Que les mouches pipi elles vont me filer la dingue hein, CMP. Hungry Soul, Out for Blood. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, j'ai pas fait le album j'ai pas de fait 41 Out for Blood. Ça a peut-être un rapport. Peut-être que ça change la soundtrack. Bah, en vrai, apparemment, Macmillan a confirmé que la plupart c'était vraiment des noms reliés aux musiques qu'il aimait bien. Donc. Ah ouais? Ah bah. Ouais. Bah, par exemple, 8 Inch Nail. Enfin, non, le 8. Ouais. Non, là, c'est juste que Inch Nail, c'est par rapport au 9 Inch Nail. Ah j'ai pu parler, je suis en train bah, de faire en un vrai, dessin. Tu pourras lui faire un tweet. Hello, do you love the Sum for Host? Comme t'aimes bien la fête. Do you like the Sum Event? Do you like the Sum Event? Ouais, et j'ai trouvé la meilleure OST du jeu. Planétarium? Dans un truc que t'as pas vu. Ah, mais c'est ça que t'as eu un planétarium. Ah oui. C'est ça la dinguerie. Mais mec, moi j'ai joué en Tibers, qu'est-ce que tu crois là? Bah moi j'en sais rien moi. Bah voilà, voilà. Moi j'ai joué en Tibers. Bah j'aime bien, bah c'est bien, bah joue en. Mais attends, mais tu l'as eu dans une run legit où tu prenais les items room ou pas? Parce qu'en fait, on t'a spoil sur les... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit horrible. Non, je crois que j'avais skip des items room parce que j'avais pas de clé. Ah voilà, bah du coup, Planétarium quoi. Super. Mais je crois qu'il y a quand même une faible chance de l'avoir. Hein. De quoi? Ah là j'ai un item, tu vas l'aimer, c'est un couteau. Ah merde, il est pas mal le couteau. Ouais, j'ai un item, c'est en forme de cerveau, il est vert. Ah merde. Et toi tu joues Afterbirth Plus aussi, j'en peux plus. Dans ma tête, je me dis, mais attends, mais il parle de quoi? Je sais plus là, vous me brassez tellement, je sais même pas où j'en suis dans ma run, quoi. Merci Robert Nichon pour les 3 mois Prime Gaming. Voilà, ça c'est gratuit. J'ai un item, c'est Mais... Dans 30 minutes, t'as mal au crâne parce qu'on commande tous notre. Dans 30 minutes, je suis plus en vocal surtout. Hein. Moi, je me tais alors. Qu'est-ce que j'ai là? Non, mais on peut brasser maintenant, mais après je me casse quoi. Ah, j'ose pas du coup. Attends, Hungry Soul.
Comment ça fait ? Ah, celui-là, je l'ai déjà eu, le Hungry Soul, mais l'autre, je comprends pas ce qu'il fait, l'autre. Comment on déclenche l'autre, le rouge, là ? Il y a quand même 11 items dans la poule du planétarium. Bon, avec Isaac D6, ça se fait. Hein. Tu fais que des Isaac D6 sans ramasser d'objets. Et puis, hein. C'est chiant, mais... Peut-être en cassant le jeu avec KO aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Merci Mythique pour les 3 mois Prime Gaming. Zou. Et Zou. Et Zou. Ah non, si ma réunion elle se désannule, moi j'y vais pas. Qu'est-ce qui se désannule? Bah moi j'ai fini ma journée et le mec qui fait en fait je suis dispo. Bah non, non. J'ai plié les goals, C'est le week-end. Il proc quand il y a trace de sang au sol, hein, peut-être. Hein. J'ai rien remarqué moi. Tu penses avoir débloqué tous les items ou tu sais pas? Bah absolument pas. Vu qu'il y a des unlocks à faire avec les personnages et tout. Puis il y a plein d'items de nouveaux qui sont de base dedans, je pense que je les ai pas vus parce que tellement d'objets dans le jeu maintenant pour trouver des nouveaux trucs, c'est chaud. Hein. Est-ce que j'ai des questions sur des items mais j'ai pas envie de les poser, ça va être trop bien. Aïe aïe aïe. Mais on est bien d'accord que l'item qui a un cerveau vert, c'est pas bien. Trop bien, Bob Zorin. Merci Cyrburek pour le Prime, bienvenue. Quand je kill un ennemi. Ah ouais, ça doit être ça. Putain, il a... Mintos il a créé pile quand je me suis fait toucher. J'ai l'impression qu'il est sur ma vie. Il est lié à la game. Oh. Les VOD, c'est le plus dur. Hein. Les VOD, les découpages de VOD, les descriptions plus les miniatures, c'est difficile là. Hein. Fanny, tu veux pas faire des VOD là hein? C'est VOD. La couette. Je vais lui faire un. Comment ça s'appelle là? Comment on appelle ça là? Il t'englobe tout. Un package. Un package. Genre, je te paye un package là. Et c'est parti. Tu la recrutes pour ta fée pour toi? Bah ouais, bah ouais. Mais un SMIC par mois là, plus combien? Combien tu mets Mintos? Moi je mets 10€. Ah d'accord. Après, la cricket said, putain elle existe encore quoi. La première fois que je la vois quoi. Tu la payes, moi je dis Fanny, 3000€ par mois et tu c'est 3000€ par mois et elle te fait tout YouTube. La vraie question, c'est si Midu Fanny elle dépasse le plafond auto-entrepreneur, est-ce qu'elle elle s'appelle Sasu Fanny? Ah merde. Merde. Le rename. Raconte, je colle tout. Ah oui, c'est pas mal ton ah bah, elle est pas mal la run là. Ah mais attends, mais j'ai combien d'objets de Guppy? Pourquoi je me suis déjà transformé? Je colle tous les Magic Mushrooms là aujourd'hui. J'en ai eu 2 ou 3. Ah, j'avais eu la tête et la patte déjà au début de la game. T'avais eu la Guppy's Head au début. Tu vas start avec la peau. Ah ouais. Après, je me plains, mais la run The Lost pour débloquer The Lost V2 là. Mmh. Basement 2, j'étais déjà Guppy donc bon. Ouais. Ouais, ouais, ça se plaint quoi. Ouais, voilà. La Guppy, c'est de la merde, ça fait une mouche qu'une fois sur deux maintenant. C'est nul hein. C'est vraiment nul à chier quoi. Bon bah Judas, hein, bah c'est honteux quoi, voilà, super. Hein. Alors on risque pas de la perdre. Hein. Guéna, trop bien Guéna mec. Guéna, trop bien Guéna. En plus la musique de Ridiculon mec. Tu joues encore avec la musique là? Ah ouais, encore 2-3 jours. Hein. Ouais. C'est difficile, hein. En vrai, moi, ça va. Je la tanque un peu, là, mais... je pense dans quelques jours, en effet... À chaque fois, moi, c'est yesterday, you say tomorrow, quoi. Le premier jour, j'ai dit demain, on met des OST. Hier, j'ai dit demain, et aujourd'hui, je commence à dire demain aussi.
Je commence à être addict à la musique d'Isaac là. Elle est vraiment trop bien. Après je mérite, j'ai pris la guillotine quand même. Pour toutes les runs de merde que j'ai eu en début de journée où j'ai tenté des trucs et je me suis pas fait récompenser, mec, Curse of the Blind, j'ai eu Tiny Planet direct. Je peux tenter une hypothèse sur un succès dont tu parlais ou pas? C'était quel succès? Le Get Your Song Out of Your Head, la Lulabi, je sais pas quoi. Moi j'ai une théorie aussi, mais je sais pas. Moi je pensais que c'était lié à un boss qui s'appelle la sirène, mais. Ah ouais, moi je pensais qu'il fallait juste couper la musique du jeu. Ah merde, ouais. C'est possible aussi, hein. J'ai bien le jeu. Mais après, est-ce qu'il. Il est bien le jeu. Ouais, il est dur. C'est difficile, mais tu t'y fais en vrai, je trouve. Ouais, ouais. Tu reset tes runs, toi, Mintos, quand tu joues? Pour la brasse, 2-3, mais. Faut que je garde des tuyaux. Je starte pas non plus tout le temps craquer, quoi. Ouais. Juste que ça me casse les couilles de faire des saignées, du coup, je reset jusqu'à avoir un basement. Ah, oui, d'accord, ça start basement, quoi. Je vois basement, je vais y aller, vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon. D'accord. C'est lié, ça me rend bien. Dès qu'il a basement, ça spam ça spam the urn. The urn. C'est à quel étage que j'ai lâché un une dingue, moi? Bon, pourtant, sort quand sur Switch? Après-demain. Non, en vrai, dans 6 mois, un truc comme ça. Ah, mec, ce matin, il y a un mec qui va spoiler un truc. Un message de Rickson. Ah oui, j'ai compris ça. Mais mec, moi je suis arrivé en stream, j'ai dit bon bah vas-y, on va aller débloquer Keeper machin. Quelqu'un dans le chat, oh Keeper machin, il est trop bien, il fait ça. Ok. Bah yes, bah au revoir. Ah non mais, il y a même pas une subtilité de, ah tu vas voir Keeper, il est bien, t'aimerais que je te dise. Ah ouais, non, genre zéro chill. Le stream commence, je fais bon bah on va essayer de débloquer Keeper alternatif. Ah bah il est trop bien, il fait ça. J'ai l'image de toi qui te mets sur le canapé. Qui lance une série et t'as le mec à côté de toi en fait à la fin. Mais bah c'est ça en fait. Pourquoi j'ai une cracked key ici? J'avais laissé un trinket ou quoi? Là j'ai pas envie de jouer Lazarus. Tu as obtenu Belly Button dans cet item room, il a droppé un trinket. Ah bah du coup y'a pas besoin de le faire qu'au boss alors, tu peux le faire où tu veux. C'est juste que moi je l'avais au boss parce que j'avais A+ qui restait tout le temps par terre. Ouais ok d'accord. Ah les bons secrets cachés là. Oh là là, les bons achievements cachés quand même. Mec, j'ai eu la red key, à mon avis, il y a des sales secrets à choper avec. Hein. Ah bah yes, J'ai joué la red key un peu, à mon avis, il y a du sale secret. Ou s'il y en a pas, c'est limite décevant, quoi. Je suis en Curse of the Blind, et donc du coup, je ramasse le point d'interrogation et je vois écrit Dieu. Et en fait, non, c'est D10, mais je m'étais dit... Ah merde, Dieu. God. Non, Dieu. Genre, ah, et je m'étais pas rendu compte que The Lost avait été buffé. Mec, le D6 éternel, c'est du génie, ouais, quoi. Le D6 éternel, là. C'est ah, trop pas... pété, hein. Le D6 éternel, t'as plus D6, mais tu gardes... Ah non. Ouais, il a deux charges, et si t'as une chance qu'il foire. Mais voilà, ce que je pensais, c'est comme... Mais la chance qu'il foire, ça a pas l'air d'être énorme, hein. J'ai fort. Fait une run hier, je sais pas, j'ai foiré, quoi, 4 ou 5 fois, mais pas plus, quoi. Et quand ça foire, ça fait quoi? C'est juste ça fait rien? Ah bah, ça t'enlève le piédestal, en fait. Ah ouais, bah moi, c'est ce que j'allais dire. C'est ça quoi. Mais du coup comme avec The Lost il y a plein d'objets inutiles, bah c'est trop fort en fait. C'est quoi cette porte? Ah vous êtes jamais venu là le chat, vous avez jamais vu? Ah, vous allez être surpris je pense. C'est... Ouais ça, je suis loin, désolé. J'ai rien d'intéressant. Là faut que t'ailles te coucher là. Demain t'es là à quelle heure là? Je fais des VOD là, 7h demain. Mais mec, tu sais, dans quoi? Dans 3 ans, tu stream à 4h du mat, quoi. Genre, tu prendras la relève, on ira se coucher, on te host. C'est le jour du mariage, là, c'est l'idée, tu vois, c'est la fête. C'est... Eh, la fête à 7h du mat, quoi, genre. 7h-17h, là. Ça fait 10 minutes que je joue, c'est la troisième Guppies F que je trouve. Ça commence à faire vraiment beaucoup. T'as fait des challenges un peu, Mintos, là, ou zéro, là? Non, là, je... Moi je suis deck, j'en ai pas de dispo là. Je les ai tous faits. Il m'en reste deux. Mais faut que je les débloque, je sais pas comment. Ah mais si, les deux derniers challenges, faut faire ça. Tu vois, ils sont trop bien. En fait, ouais, il se passe ça.
bons designs de... Il y a des bons designs de perso. De quoi? Il y a des bons designs de perso dans les versions alternatives. Oh mec, t'as pas vu Lilith, hein. Ah, t'as pas vu Keeper non plus, hein. Keeper qui fait ça, ça... Apollyon, je me suis bien amusé, tu vois. Ouais. Oh les crottes de nez. Oh les crottes de nez sur le boss, là. Eden aussi, je me suis bien amusé, mais pas dans le bon sens. Oh non, mais là, voilà, tu spoil. C'est le spoil. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ça fait ça, ça, ça. Ah, j'ai baisé mon jeu aussi avec Il a fait planter, on m'a dit. Hein. La porte dessinée sur le mur du bas. Ah, c'est les... En fait, c'est parce que j'ai un morceau de red key, du coup, je peux... Je peux aller dans des salles qui n'existent pas, genre là. Tu... Descends, mais il faut descends, que je la garde. Par contre, j'arrive pas à trouver le lore derrière le fait que les trinkets se transforment en cracked key. Ça veut peut-être dire qu'on peut faire transformer d'autres trucs, tu vois. C'est un peu chelou. Mais quoi? Putain, la guillotine de merde, là. Ce soir. Il est 5h30, voilà. C'est le soir pour... Je mange, pour... là. C'est le soir pour moi, là. Dans 1h30. C'est pas juste l'effet des Dad's Notes, peut-être, je sais pas. Et... Il est pas dans le frère. Il arrêtera d'être streamer, il sera agriculteur, hein, à l'heure où il se lève. Mais il était boulanger avant, donc il change. Ah, mais voilà, il a l'habitude de se lever tôt, Mythos. Mais quand même, mec, enfin... Waouh. Je respecte. Moi, 7h, chez moi, ça existe pas, cet horaire. Hein. Ça fait des années que je peux... 7h du... Je peux, tu vois, je peux. J'ai fait l'autre jour. Je me suis levé à 8h, je suis venu pour repentance, mais... Je suis venu, là. Mais j'étais pas bien, hein. Oh, oh Judas. You unlock Judas. Mais c'est... Oh là là, c'est le Judas de Four Souls. C'est Dark Judas. Ça, trop Judas. Bien. Mec, Mom's Perfume... Je sais pas si t'as vu, plus 0,50 de tears up. Hein. Il est extraordinaire, Mom's Perfume, maintenant. Ouais, pas fait gaffe. C'est quel perso? C'est Judas, on vient de débloquer, du coup, Judas alternatif. Judas alternatif. C'est ça. Et du coup, on va pouvoir aller taper Dogma into the Beast en utilisant à balle les dégâts up. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tellement réglé Dogma, il est tellement... Ouais, Dogma c'est régu maintenant. Faut juste bien voir le pattern où commence le laser. Mais l'autre, il faut des dégâts. Mais c'est infini le paiement de dégâts là. Mais c'est pété le Golden Rasoir, mec. Oh, ça a l'air bien, Golden Rasoir. Ah, c'est bien, hein. Bon, par contre, je fais n'importe quoi. T'enlever de la vie, ça t'enlève de l'argent. Tu payes 5 pièces pour avoir un dégât up, quoi. Oh, il va me faire la roue tourne à tourner là. Ah, dégât up, mais dans la... Dans la salle en cours. Hein. Il y a deux patterns, un pattern bien, un pattern et celui-là. Ouais. Il a plus de patterns lui. Hein. Il en a pas beaucoup, mais il en a plus que deux. Ouais. Il en a trois. Ouais, voilà. En plus, il a pas de vie. Hein. Comparé à la télé qui résiste un peu. Il a le truc qui fait les lasers sur lui, et puis t'as les trucs qui fait les lasers se décaler. Par contre, j'espère que je garde mes dégâts entre les deux. 100%, tu l'auras pas pour The Beast le damage up. Enfin, ce serait le coup dur, quoi. Non. C'est comme avant, le perfume ça faisait pas moins 1 de tears up. Si, le perfume ça faisait moins 1 tiers délai. Il a pas de vie, il a 29 de dégâts. Mais même dans des builds où on avait pas de dégâts, il a vraiment pas de vie, quoi. Ouais, c'est de le mettre des trinkets en fait. Tu places des trinkets dans les étages et quand tu reviens sur le chemin, enfin sur la réalité alternative, tu trouves des crack keys à la place. Le problème c'est qu'on voit pas ses stats sur The Beast, donc je peux pas savoir si je fais des dingues ou pas en fait. Ah putain, c'est vraiment juste pour trigger SPP, c'est pour rien d'autre. Ouais. Pas les dingues, il aime pas, il dit ça ressemble à Christian Clavier. C'est dingue. Je pensais j'ai perdu mon dégât up là. Mais j'ai Guppy, oh. C'est ok. Normalement c'est ok là, j'ai Guppy. J'ai Guppy et de la range. Si t'as de la range sur lui, normalement tu gagnes. Hein. Bon, le reste des pièces, je peux pas, c'est par 5. Regarde la taille des larmes.
Mais moi je vois des nouveaux items qui faisaient genre des trucs pas trop, genre speed up, comme ça, ou chaque nouvel item c'est genre. Non, il y a des petits équilibrages d'objets qui sont moins ouf, mais qui viennent s'ajouter dans des pools où ça manquait un peu. Ah bah là le combat il est agréable. Hein. Bon, y a pas besoin d'aller au corps à corps. Là d'accord. Si je meurs, tu te demandes comment je réapparais. Ah bah il faut aller voir Baron Zolos d'hier. Non, en vrai spoiler, si t'as le Dead 4 contre ce boss, en fait tu continues tes vies, elles sont comptées pendant le fight en fait. Tu continues le fight. Du coup je l'ai passé en Zolos hier lui. Parce que j'avais le Dead 4 et j'ai pris des morts. Gratos quoi. Je me demandais ce que ça faisait. Carte de TP, on a passé. Avec Wishot, bah c'est technologie 2, mais c'est trop cool. Et c'est avec Wishot quoi, c'est de la merde. Ouais, non, je pensais qu'il y avait un truc, mais c'est. C'est pas une dingue quoi. Ah là, c'est pas trop une dingue. Non, mais ça se trouve, il est même plus là quoi. Faut que j'arrête. Allez! Ça fait l'hommage à Meat Boy, ça. De quoi, dingue? Non, c'est même un bel hommage à Meat Boy Forever, tu vois, je dirais. C'est un bel hommage, ouais. Un bel hommage à la main. Bah, j'ai l'impression que les nouvelles cinématiques, c'est la personne qui a fait les cinématiques de Meat Boy Forever, mais genre en deux jours, tu vois. Parce qu'elles sont un peu en low definition, quoi. Là où sur Meat Boy Forever, bah, c'était quasiment le seul intérêt du jeu, les cinématiques, quoi. Meat Boy Forever, le jeu où on a tous aimé l'ambiance, quoi. Ouais, j'aime bien l'ambiance, quoi. Le fruit est bon, mais bon. Essaye les bombes. Ah, vous voulez que je mette des bombes, là? Ouais, sur la phase où il avale. Faire gober les bombes. C'est abusé, je fais trop de dégâts. Voilà! Voilà aussi avec un vrai build. On est déjà dans la phase de l'infini. Je vais pas prendre un seul damage, quoi. Putain, c'est honteux, quoi. Dire que j'ai perdu. C'est honteux. Nul le boss. Bah voilà, putain, je le fais de no damage alors que tout à l'heure j'ai perdu avec des. Un an de dev là, c'est bon. Mais non, mais j'ai tout à l'heure, j'ai au corps à corps, je l'ai perdu, il est trop dur au cac alors qu'à distance il est nul à chier quoi. J'espère que je vais loot 2. J'avoue, est-ce que Judas il a Dark Arts quoi? Oh, le Dead 4. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. Le nom du boss c'est The Beast. La bête en dedans. Ah, c'est un bel hommage à Gabriel Knight. Ah, merde. The Beast. La bête en dedans, la télé. As he rose, he felt his fears drop from... Moi je trouve que c'est une belle... Ouais, c'est ça, c'est une belle ref à L.A. Beast. Et tu penses qu'il mange sa chaussure après? Moi je pense, ouais. Il a fait cuire. Il a fait cuire dans la lave. Dans la lave, là. Mange les cactus, les stalactites mange et tout. Les cactus, ouais, voilà. Eating stalactites. Bah je pense que en vrai c'est ça qui me fait penser, papa. Je sais pas, j'ai pas eu ça. À Tyrone, non? Non, il me fait penser à Big Claw. Il a la casquette et la moustache. Ah, oum le bannier. Ah merde, ça s'invente pas. Bien. Ça s'invente pas, ça. Ah, faut que tu prennes la... Faut que t'en fasses une emote, tu prends sa tête, là, juste sa tête avec la casquette, et tu l'appelles Mine Big Flow. Mine Front. Remets la cinématique, tu vas voir. Mine Moustache. Minflo et Oli. Oh merde, Minflo et Oli. Isaac and his parents lived in a small... Ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai. Rédemption as appeared in the basement, quoi. La rédemption. Après repentance, la rédemption. Stigmata, allez. Alors, Judas, Shadow Eater, Dark Arts. Marathon de la rédemption. Il a bien Dark Arts, hein.
C'est marrant. Pourquoi t'as parlé dans ton micro genre à 2 millimètres? Parce qu'il parle pas pendant une heure et à un moment non, il fait... Non, je suis loin là. Régale kebab. C'est comme à l'époque. Hein. Comment ça se chature? Je vais faire un petit Carl Junior. Je parle pas pendant 30 minutes, puis après... Ah putain, les gars. Le pentagramme. Mais non, mais je sature pas, là. Non, tu satures pas, mais tu sais, t'es genre, tu parles pas, et tout d'un coup, t'es à 2 mètres du micro en mode... Mais non, mais je suis pas à 2 mètres du micro. Non, mais j'étais en train de te rappeler le marathon de la rédemption, là. Mais il existe pas, ce truc. C'est une réalité alternative, mec. C'est quoi, les gars, le marathon de la rédemption? C'était quand je devais finir tous les jeux que j'avais commencé, mais c'est chaud maintenant. Notamment, merde, comment ça s'appelle? Deux Force. Ah, Deux Force. Bah, c'est le seul qui reste, hein, c'est Deux Force. Hein, mais... 451, j'ai combien? Il était pire que le marathon Les Trois Crash. Oui, non, mais le marathon de la rédemption, c'était tout ce que j'avais pas fini, ever, tu vois. Et d'ailleurs, dans le marathon de la rédemption, il y avait de refaire un marathon Crash que j'avais fait dedans. Ah ouais, non, mais... Ah, mais j'avais quasiment tout fait, hein. Mais juste, il me restait Deux Force, quoi. Il a jamais voulu. Et le chapitre 6, chapitre 9 de Céleste, tu vois. C'est toujours pas vu. 9 bah attends, on se regarde Big Flow là, avant de tester. Vas-y, mais oui. Attends, je suis pas prêt là pour le revoir avec la moustache. Regarde, regarde avec la casquette. And as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving. Mais il a la casquette là. Hein. Mais on le voit pas. C'est quand on le voit? Si, on le voit. Je l'ai vu de dos là. Ah oui, là. Alors écoute-moi bien, petit. Toi, on va te battre. C'est parfait. C'est parfait parce que si tu mets le alors écoute-moi bien petit on va te ban, c'est le moment où il s'engueule avec la mère. Ouais, et après tu le revois là. Attends, mais il a la bouche ouverte ou il a une moustache? Il a la bouche ouverte, je crois, il gueule. Hein. Je sais pas s'il a. Ouais. Oui, mais c'est quand il est jeune qu'il a une moustache, c'est comme moi, tu vois, j'ai un bouc, mais dans 20 ans j'ai plus rien. Tu... Ouais, bah ah, les gens ils disent tout ça. Pas. Dans 20 ans t'as un mulet. Mais il a une queue surtout. Ah non, c'est peut-être dans 20 ans j'ai un bouc moi. Ah oui, il a une moustache. Qu'est-ce qu'elle a, ma moustache? Ouais, ouais. Merde. C'est lui. Ah oui, ou des cernes. Non, c'est lui. C'est lui officiel. Mais mec, ils sont où les nouveaux objets dans le jeu? J'en vois pas. Regarde. Il y a tout ça de nouveaux objets, mec. Faut jouer plus. Il y a tout ça des nouveaux objets, j'en ai pas vu un seul. Enfin, j'en ai vu quelques-uns. Mais on va pas à Dunpour, là, c'est pour ça. Mais y a quel rapport? Bah, ils sont peut-être plus locs à Dunpour. Mais non. Log sur la truc alternatif. Non. Ah non, mais bah en même temps, le dernier perso, il crée des objets que les autres peuvent pas avoir. Oups. Non, c'est pas vrai. Ah, tu l'as pas débloqué, lui? Putain, il est trop bien, il fait ça. Ah mince, c'est dommage. Ah, sa version alternative. Il débloque des unlocks Steam et d'autres jeux. Joue au jeu, là. Je fais pas semblant. Là. Mais je fais pas semblant, je vais jouer au jeu, mais vous brassez, là. Attends, moi je tank, là. Non, mais après, c'est Edmund qui a dit que... Il faisait référence aux musiques qu'il aime, peut-être qu'il aimait bien Big Flo et Oli. C'est vrai. Ouais. Bon bah c'est parti pour tester Judas Shadow Eater Dark Arts, hein. On va voir ce qu'il fait, le Judas alternatif. Je trouve qu'il aime bien le chant des sirènes. Ah merde, ça se trouve il est comme Vianney, il est fan de... de Orelsan. Moins 1 de vie, bah il a pas de cœur rouge, il commence avec 2 cœurs noirs, il a 3,50 de dégâts. Pas beaucoup de tir rate, il a pas de range, et Dark Arts ça fait quoi? Cœur noir. J'arrive pas à l'utiliser. Un ennemi là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? J'ai rien compris. Oh, c'est là. Oh, ça a l'air bien. Oh mec, c'est Churu des rues le truc. Ah oui, non mais c'est un. C'est Zoro dans One Piece. Il met des taillades. Quoi? Chule des rues. Il stoppe le temps et tout. C'est invincible. Ouais, ça a l'air plutôt équilibré. Omaewa, mon chule des rues. Ah, puis ça buff tes dégâts. Hein. Ça buff les dégâts après, ouais. Je suppose que ça scale sur ton tir damage.
Ah oui, non mais c'est n'importe quoi en fait. Ok. C'est la fête du slip en fait. D'accord, ok. C'est la fête du slip. Trop bien ce TLC. Mais oh, celui-là il est bien balèze hein. Bah en fait ils vont speedrun que celui-là, les speedrunners, ils vont prendre Non, j'ai pas le DLC. Le speedrun repentance, c'est Dark Judas, un personnage premier au chest. Parce que je joue pas le jeu moi. Les balances comme dans Fortune. Sur The Binding of Isaac en rouge. Ouais, mais parce que en fait j'ai fait une game, mais. Regarde, ils ont tous une discussion différente. Comment tu veux que je. Il y en a un, il me dit les cœurs rouges. L'autre, il parle de s'il a le DLC ou pas. Mec, je vais devenir fou à la fin. T'as pas eu de non, mais je vous demande pas d'arrêter, mais je... C'est un peu l'ambiance Open Space. Hein. Mintos qui me parle des cœurs rouges là. Oh, il y a des nouveaux feux. Non, c'est juste la couleur qui a changé. Oh ouais. Tricheur. Je suis bien là. Oh. Ah, au moins, je risque pas de dormir quoi. Bah là, il vient de la lune, il transmet sa fatigue. Ça va les VOD Mintos là, ça filoche un peu là. Mais le personnage mon gars, mais tu l'as pas débloqué celui-là? Non. Bah débloque-le. Ah merde, t'es spoilé. Ah, qu'est-ce que t'attends? Ce qui jette, c'est un motivateur. Ah merde. Je crois que je fasse des conférences à 200€ pour motiver. Mec, j'ai refait Delirium, c'est honteux. Hein. Ouais, j'ai refait aussi aujourd'hui. Ah, et puis plus tu tues d'ennemis, plus tu gagnes de dégâts. Hein. J'ai fait qui avec Delirium déjà? Qui c'est que j'ai fait? Avec Delirium, c'est honteux. Le jeu, il pourrait être parfait s'il y avait Delirium, des vrais shops. Mais non, quoi. Fallait qu'il y ait Delirium de merde, quoi. Delirium, il est honteux. Nul à chier, le bordel. Toujours comme avant, quoi. Il a pas... Avec sa coupe, comme avant. Ah si, oh, j'ai trouvé un bon trinket aussi. Ah oh, ouais, non, mais tu vois. J'ai trouvé un trinket, c'est tout ce que t'aurais toujours rêvé. Ah ouais? Ah ouais, il est incroyable. Mais dommage, reste entre les salles. On en parlera dans 6 mois alors, quand on aura tout débloqué. Ça, c'est validé, hein. Bah bourre-le, ça se recharge. Bah, mec, tu peux pas prendre les cœurs rouges, hein. Tu peux pas le spammer, là? Non, ça se recharge en bas à droite. Ah, mais peut-être que je peux lui passer plusieurs fois dessus, ouais. Oui, voilà, ça. Bah, parle clairement, aussi. Regarde le super bandage, là. Bah, 3 cœurs, hein. Oh, le backseater, quoi. Ah, tu l'as bien churu des rues. C'est Nioh 2, X, Sekiro, X, mais c'est du génie le jeu. Hein. Et encore Marbles pour la 50e fois. Oh non! Oh vraiment? Avec Lusty Blood là? Hein? Mais j'ai pas appuyé sur l'objet, il le fait tout seul au bout d'un moment? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou? On va faire ça monsieur hein? Oh non. Est-ce que t'as vu, Mintos, le passage entre les runs où Isaac il voit un nuage? Ça spoil. Ah, les petites images entre les runs. Enfin, entre les étages. Tu sais, il y a des petites images dans Isaac. Ouais. T'as vu celle où Isaac il regarde un nuage? Non. Et le nuage il lui fait un fuck. Il est extraordinaire celui-là. Ah, oh, j'ai pas vu. Oh, j'ai pas fait gaffe à ça. Celui-là, il est trop joli. C'est le meilleur. Hein. Je me suis arrêté à celui où je suis dessus, donc non, j'ai pas. Ah oui. Ah ça. Ça, le caca, Edmund, il aime bien. Ça et Big Flo. Ça et Big Flo. Hein. Maintenant, on sait qu'il aime bien Big Flo. Grande référence pour nous. Non mais attends, ça veut surtout dire que Dark Arts, on va pouvoir le débloquer pour le trouver dans les runs. Hein. Peut-être au bout de... Ouais.
Ils vont le nerf, je pense. Ah, tu vois, tout ce qui est nouveau, il hein, n'y a pas de nerf là. Hein. Quand c'est nouveau, ça fait des dégâts. Hein. Ils sont... Mais tu vois, en fait, je pense que vraiment, ils auraient dû sortir le jeu dans un an encore. Une année. Mais si, parce que là, regarde. Pourquoi on n'a pas, du coup, un petit challenge où tu dois un challenge où tu dois faire le jeu qu'avec ça, tu vois. Mais dans le booster pack 2. Mais il n'y a pas de booster pack, normalement. Oui, 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 on en reparle. Oui, oui. Ça se trouve, c'est un dead caché, donc t'en sais rien. No booster pack, ils ont dit. Oui. Ou le plus tard possible. C'est fini, il a dit, on ne sortira plus jamais de Isaac. Non. Après ça. Vraiment proche de ton pic. Pour Rib. Mais putain, je suis pas vraiment proche. Ah, t'as peut-être le niveau à 100. Ah oh ouais, parce que des fois, ça se baissait. Il y aura repentance plus obligé. Ah, j'avoue, repentance plus. Pardon. Rédemption. Isaac Rédemption. Isaac Pognon. Non, non. Ça, c'est For Souls cet été, ça. Ça sert à quoi, Dark Arts? Ça sert à se téléporter sur les ennemis et leur faire des dégâts insane pour se booster en dégâts plus on passe sur un nombre élevé d'ennemis. Et avec une seconde de cooldown. En vrai, c'est... Oui, en vrai, c'est complètement craqué. Hein. On n'a jamais vu ça. Mais il peut pas avoir cœur rouge, attention. C'est grave. Mais non, je voulais acheter machin. Putain, je suis allé au mauvais endroit, je suis fatigué. Je voulais acheter Even More Option et je suis d'abord allé au... Oh là là. Vous voyez pourquoi sur The Lost, fallait pas que je fasse plus de 2 runs par jour. Vous voyez pourquoi là. Comprenez un peu là. Comprenez ma détresse. Deuxième fois aujourd'hui. Commande, pourquoi ou pas? Si, si, elle est là. Elle est là. Sûrement. Ouais, elle est là. The Stain. Non, on peut passer qu'une fois sur le même ennemi. Faut que j'attende qu'il invoque du coup. Je vais te faire une run quoi. Elle appelait Tutos. Tutos. Tuto Planétarium là. Ah, les tutos de Minpo. Ah. La Goated. Ah bah yes. Tutos. Des personnages, ils renflent. Ça, je crois que c'est une démonstration. Une démonstration. J'ai vu les cartes Ace, mais je sais pas encore ce qu'elles font. Je sais pas. Merci ce bon vieux Sdoud pour les 4 mois de Prime Gaming des Robins. Mais Chichayou. Ouais. Ah, c'est dudes. Tu penses qu'on va m'insulter ma daronne si sur YouTube donc, je commence à mettre des trucs alternatifs là? Ah, des spoils, ouais. Moi j'y vais doucement pour l'instant, je bait avec des titres, mais j'y vais doucement. Ok. Tu veux dire quoi, des trucs alternatifs? Je mets grosse dingues dans le titre, en fait. C'est dingue. Je mets pas ça, je mets genre. Je sais plus ce que j'ai mis comme titre, attends, je vais te dire les titres que j'ai mis là aujourd'hui. C'est dingue avec une grosse tête de jacouille. Ah, Jacouillon! Attends, vas-y, qu'est-ce que j'ai mis comme titre là des VOD qui vont sortir? J'ai mis Bethany, c'est à chier. J'ai mis le lore, le jeu dans le jeu, nouvelles règles, Kane Mind Blown, les New The Lost. J'ai mis les New The Lost quand même. J'ai osé. Des, des flèches rouges, des têtes de toit un peu. Non, genre. Non. Non, non, bah, j'ai dit. Go faire une emo de dingues. Mais non, pas faire une emo de dingues. SPP, il va mais plus si, jamais venir. Une emo de dingues, c'est quand tu fais genre. Juste une tête de jacouille, quoi. Jacouillon. Jacouille. Et en plus, ça existe déjà. Regarde, il y en a oh, déjà qui mettent au niveau, t'as la dingue. C'est trop bien. Envie de canner, putain. Oh, la dingue. C'est quoi, ce emote? Ah, c'est une dingue, quoi. C'est... Je sais pas qui m'a appris ce mot. Hein. Je saurais pas dire. Hein, mais... Ça doit être les jeunes. C'est les jeunes qui disent ça. Un cheesepog, ça manque. Ah, ça y est, on est vieux, quoi. Bah, ça y est, hein. Non, pas toi, parce que tu dis encore le langage des jeunes. Le langage des jeunes.
C'était soirée Among Us, ça. J'ai pas joué à Among Us depuis 1915 à peu près. Et je m'en porte très bien. Bah c'est vrai, moi j'aime bien en faire une fois tous les N temps, tu vois, tranquille. Mais je pourrais pas en faire tout le temps, quoi. Mais j'apprécie une fois tous les... Une fois tous les 36 du mois. Mais Dark Arts, ils s'utilisent tout seul, des fois, je comprends pas. Isaac, oh, c'est quoi ça? Repentance. Bah, nice. The Abyss. Elle est où, la dingue? Bah... Elle a déjà disparu, la pièce? Putain, j'ai le seum. Ça arrive pas de faire les séries de pièces comme ça. J'avoue, Dark Arts. Oh merde, la VOD, on va l'appeler la grosse Dark Arts. La grosse Dark Arts. J'appelle Big Flo. Unlock Big Flo. Oh merde, l'idée de génie du chat, quoi. Faut que je m'en rappelle de ça, la grosse Dark Arts. Avec une bonne tête d'Anuna sur la VOD, là. C'est la pièce quantique. Putain, j'avoue, c'est une référence à... C'est une référence à Outer Wilds, quoi. Mais des fois, il fait Dark Arts tout seul, je comprends pas. Arrête de spoiler Outer Wilds. Je spoil pas, mec. J'ai pas fait, moi. Mais si, t'as dit que t'avais fini. Je l'ai pas fait. Jean-Michel, premier degré, là. Ouais, moi, je comprends pas. La question, c'est est-ce que j'étais premier degré quand je t'ai dit que je l'ai fini ou quand je t'ai dit que je l'ai pas fait? Ah, putain, j'ai envie de canner, putain. Oh, la dingue. La dingue. Dépression, c'est meilleur qu'avant ou pas? Parce que Emola Crier, la jouait hier, c'était bien de la merde. Et la dépression, c'est toujours... Non, je pense que dépression, c'est comme avant, hein. C'est... Avec sa moustache comme avant. Hop 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 hop. Est-ce que je peux passer à travers les pics? Ouais, on l'a fait tout à l'heure. On peut tout faire en vrai. Il invoque un peu beaucoup là. On va prendre le booster pack là. Est-ce que je peux passer à travers des ennemis? Ouais, je peux. Oula! A plus! Le pentagramme. L'œil de Bélial. Ça a été nerf, l'œil de Bélial aussi? Sûrement, hein. Et plus à ça près, comme qui dirait. Est-ce que je prends le A+? En vrai, pour une fois, je le prends pas et je garde Maggie's Face qui me donne un cœur noir par étage. Allez, go. Mais Repentance qui donne les 1001% gratuits, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ah oui, c'est peut-être au nombre d'objets, comme dit Quav. Le trigger de l'achievement doit se faire sur le nombre des objets. Ou alors t'as peut-être fini. Hein. Bah non. Salut les Quaver. Salut les Quaver. Salut, salut à toi les Quaver. Non, merde. Non, pourquoi ça a pas fonctionné? Par contre, on est d'accord que les cœurs, on voit rien. Ah, c'est horrible. Of Darkness, c'est la fin du monde, hein. Mais c'est la fin du monde, hein. J'ai fait tout un combat de délirium comme ça, hein. Oh, ouais, ouais. Pauvre chou. Pauvre chou. Dit-il à Basement 1, là? Non, là, je suis au mausolée. Le mausolée nouveau. Utiliser Dark Arts. Je suis un... Sur un tir ennemi, l'annule. Peut-être, hein. Peut-être, j'ai pas remarqué ça, mais peut-être. Mais tout à fait. Ma tout à fait. J'en ai une de masse. Par contre, le dégât up, je le comprends vraiment pas. Hein. Il descend au nombre de l'arme, au nombre d'ennemis touchés. Non. Qu'est-ce qu'il fait ouais. A chaque larme, non, il descend avec le temps, en fait. J'aurais pas dû acheter.
Le mausolée nouveau. C'est Géena, ça. Géena, c'est le mausolée nouveau. Hein. Gévaudan. Gévaudan. Tu vas où, là? Tu vas à Gévaudan. Mongo bébé. Ah, Mongo bébé, il va être bien. Il va faire du... Ah, Mongo baby aussi, il se met devant. Oh là là, le plaisir. T'as vu, ça, Incubus et Little Brimstone? Ah. T'as vu Little Brimstone et Incubus qu'ils font quand tu les ramasses? Non. Ils se replacent. Ah. Genre, si t'as déjà 3 familiers et que tu ramasses Incubus, Incubus, il sera toujours en premier. Ah, bah, tu peux faire gaffe. Mec, c'est ça, c'est extraordinaire, ça. Hein. C'est beau. Ça change la face du streaking. Je reviens là, je reviens là. Petit ouais. Card junior. Hein. Oh non, pas Rip Creep, oh non. Pas elle. Je peux même pas lui faire Dark Art, elle. Bah ouais, non. Après, elle invoque des merdiers, ouais. Donc. Merde, les araignées! Putain, je regardais le chat! Putain, j'ai pris trop de coups. Gévaudan. You unlocked Ashpit. Hein? Mais comment ça? Ah, mais le boss, je l'avais vu, mais je l'avais vu qu'en challenge, c'est ça? Putain, j'ai failli ressortir. Ah, le boss, je l'avais vu que... Je l'avais pas vu dans le jeu de base, je l'avais vu en challenge. Donc c'est les mines alternées, en fait. On avait toujours pas les mines alternées. Les mines alternatives. C'est dur. T'as jamais vu Ashpit? Have fun. Ah bah non, mais le chemin alternatif, j'y suis allé vraiment 3 fois, hein, vraiment, pas plus. Hein. Vu qu'on a découvert qu'on pouvait débloquer des personnages et tout, moi je suis parti en mode... Anti-Burst, je l'ai déjà vu, go, hein. Alors qu'en vrai, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à voir. Petit boss rush, ouais, j'essaye là. Les belles salles de merde. Gévaudan! Tellement bien le jeu, le dépression qui a un vrai feedback dépression quand il pop. Le magicien. Je pense que ça a été nerf Eye of Belial, mais j'arrive pas à comprendre comment encore. C'est juste le feedback sur les feux qui a dû changer, je pense. Il l'utilise tout seul, le Dark Arts. Qu'est-ce qu'il branle? Ciao. T'as besoin du chemin alternatif pour retour à home une fois, mais une fois que tu l'as débloqué, après tu fais ce que tu veux. Mais le retour à home, enfin le chemin alternatif, moi je le vois un peu comme un méga Satan en plus long, quoi. Je dois le faire avec tous les persos, mais en soi, actuellement il a pas assez d'attrait pour y aller de toi-même, quoi. Enfin, avant il en avait un, mais maintenant que le deuxième objet est en Curse of the Blind, bah il en a pas, quoi. Avant, t'avais toujours le choix entre deux objets dans le chemin alternatif. Maintenant, c'est non. Du coup, bah, j'y vais plus de moi-même, quoi. Ah, le couteau est fort, mais bon, c'est long à faire. Hein.
aller chercher le couteau en entier là. T'en as pour 1000 ans quoi. Coup dur. Il y a des boss sur lesquels c'est plus fort que d'autres quand même. Hein. On y est encore demain dans le bordel. Hein. Mais je suis trop con, je sais qu'il va repop à droite, qu'est-ce que je prends ? C'est que ça pose vraiment les ennemis quoi. Allez moi je vais le brasser. Ciao. A plus. Le Prime qui dort pas pour la gloire de repentance. Merci Veust pour le Prime Gaming, des gros bisous. Oh, il y a une musique avec de la batterie et tout, il l'a entendu celle-là, SPP ou pas? Il va devenir fou, c'est une dingue. Ils ont fait de la batterie et tout. Merde, je voulais utiliser machin. Pourquoi Marble, je mange pas le trinket parce que j'ai pas de chance. On a déjà mangé deux là. Là juste j'ai pas de chat. Ce nouveau morceau est sympa. Bah ouais, y a une vraie musique quoi. Il y a une mélodie. Ce qui est assez rare dans les autres tracks, malheureusement. Je vais lui envoyer un DM, je pense. J'ai envoyé un DM à SPP, je vais dire, mec, t'as entendu le nouveau boss rush? J'utilise pas le book? Non. En fait, ça part en 2 secondes à cause du corps à corps. Ah bah Torvla ! Mec, la musique du boss rush, c'est quoi ? C'est une dinguerie ou pas là ? Ouah ! On l'avait pas vu Steven encore. Le boss, pas l'item hein.
Non. Ah, j'ai mangé mon trinket, yes. Non, fais pas ça. Oh, le petit con. Je vois rien. Il y a une batterie, t'as vu? Ça bouge. Aïe! You blast assist. C'est un putain de bops. Ah mais ils sont tous partis, hein, vous avez vu les brasseurs là? Ça. Ah non, vu. Juste qu'on a rien à dire et qu'on a rien à dire, on prend pas le mic. Ah, la ref est si vieille. Ouais, mais. Elle a pris de l'âge. Elle est toujours d'actualité. Elle a pas pris une ride, mais. Ah non. Mais elle a de l'âge. Oh. Pour le lead pencil, quel plaisir. Et du coup, le boss rush est fait. Par contre, j'aurais jamais le temps de faire un hush, quoi. Il fait quoi, le Judas V2? Bah, il a Dark Arts qui se téléporte sur les ennemis, leur fait des Awarudo, et ça booste les dégâts. Genre, comme ça, rien. Hop. Tintin. Ennemi coupe 2. En vrai, là, j'ai aussi un vrai build. Ouais, dans la maison et débloquer nouveau perso, faire comment? Il faut... Est-ce que t'as déjà tué le boss du chemin d'Antiburst? Si t'as pas la porte à Debs 2, déjà commence par tuer le boss d'Antiburst. J'aurais jamais dû faire ça. Oh, Dead 4, maintenant c'est un personnage qui peut pas avoir de cœur rouge, donc faut absolument pas que je le prenne. T'as battu Mazur, mais celui d'après. Ah, il te faut le Polaroid ou le négatif pour pouvoir aller dans la porte. Dans la porte de Debs 2, il te faut le Polaroid ou le négatif. Et du coup, faut que t'aies une carte de téléportation, il y en a une dans l'étage Debs 2. Arrête! Dans un crâne marqué. Ça te met pas un cœur noir? Si, mais j'ai pas envie, quoi. Le truc, c'est que j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que j'ai... Je me suis trompé. Ma première matriarche, quoi. Elle est ralentie, la pauvre. C'est marrant parce que l'effet de ralentissement maintenant sur les ennemis. Bah, genre, ça baisse les frames de leur animation. Enfin, ils sont ralentis, en plus de ça, leur animation elle-même est ralentie, quoi. Monnaie égale power. Ouais, vas-y, go. On joue Judas V2. Hein. Point, 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 point. Les cœurs rouges, c'est ta vie, et les cœurs bleus et noirs, c'est de l'armure. Avec les cœurs noirs qui font des dégâts quand tu les perds. Tu peux pas avoir de cœur rouge, ouais. Cœur bleu, c'est de l'armure. Quand tu les perds vraiment. Les cœurs rouges, tu peux les remplir. Quoi. Oh merde. Quelle brasse! Garantie avec quoi les ennemis là? C'est quoi qui me donne du ralento?
Non, 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 je regrette. Faut pas bomber les marchands de bombes. Faut que je me dépêche là, hein, si je veux tenter Hush. Ah, les cœurs noirs n'ont plus d'animation. C'est la première fois que je perds un cœur noir de tout le jeu là. Je sais pas, genre l'animation elle s'est déclenchée instant. Le creep de dépression. Oh, vite, c'est chaud. Si c'est pas par là. Trop grand les étages, trop grand. Ok, yes. Creep de dépression qui... Not even close. Oh, y avait Bloody Mary. Oh la merde, bordel! Je vais prendre Bloody Mary, je sais pas. Ah, plein le cul de faire des VOD là. Ça y est, t'as tout fait là? Ah, c'est bon. Ouf! VOD 8. Plus d'options. C'est bien alors, Dark Judah? Oh, le Ice Baby. Bah, c'est... Oui, ouais, bah, Boss Rush, Hush... Ah oui, d'accord. Je suis en train de me régaler, là, si tu veux. Je te régale. Oh, c'est quoi, ça? Myosotis, Forget Me Not. Les Myosotis. Ah, oui. Freezer Baby. Conjoined. Quoi? J'ai eu conjoint? Oh, merde, ça m'a fait perdre... Oh, Freezer Baby. Oh, merde. Pas bien, Freezer Baby, t'aimes pas? Ah, non, moi, j'ai un autre truc. Ah, t'as eu le Ice Cube. Ouais, Ice Cube, il est bien aussi. C'est la fleur de la princesse dans Breath of the Wild. Ah, c'est un fuck des mouches, là. Non, mais j'ai plus de tir raid, du coup, à cause de conjoint. Faut me faire allumer la tête. Je suis rue des rues, là, là. Allumer ! Non, mais je veux qu'ils mettent des mouches. Oh, mais ça va être n'importe quoi quand l'autre, il va invoquer des mouches. Et j'ai l'impression que je gagne des dégâts aussi quand je tue des ennemis, non? Ah oui, de base, en fait, je gagne des dégâts quand je tue des ennemis. Dark Arts, il sert juste à brasser, quoi. Ah ouais, en fait, le perso est craqué, je le comprends au bout de 30 minutes, quoi. Ah, j'ai Lusty Blood. Ah oui, c'est vrai que j'ai Lusty Blood en plus. Ah ouais, ouais, mais non. Ah, c'est vrai que c'est n'importe quoi, mais... Regarde! Des fois, il le déclenche tout seul. Je crois que si ton Dark Arts... Et attends, faudrait que je fasse exprès de prendre un coup. J'ai l'impression que genre si tu dois prendre un coup, Dark Heart se déclenche s'il est chargé. C'est vrai que j'ai Epiphora aussi. Promet qu'Epiphora. Oh là là. Oh là je vais, là je vais. Non mais il l'a fait automatiquement. Attention. Mais non. Je fais de la merde. Tiens, chur délu. J'ai pris quoi là? Il a l'air baleine, Judah. Dark Judah, il a l'air bien baleine. Il est bien bien baleine, attention. Chur délu. Je vois plus la tête de Hush là. Merde. Mais je crois que ça fait bugger sur les mouches de Hush. Je crois qu'elle meurt pas les mouches de Hush. Mais c'était quoi cette boule qui sort de nulle part? Il m'a fait des dingues, Hush. Je suis fatigué là.
défaut du jeu, Delirium quoi. Soul of Judas, j'ai débloqué. L'âme de Judas. Et Gridier. Oh, Gridier, ça va déjà un peu mieux, mais c'est pas ouf, Gridier, quand même. Oh, c'est pas bien, quoi. C'est pas... C'est la gamba, c'est pas... Et les shops. JPP, dit SPP. Mais JPP, tu vois, moi, il y a une époque où j'étais comme toi. Les gens qui disaient JPP, je pouvais pas. J'en avais ras le cul. Ça me... Bah, JPP, quoi. J'étais un boomer du JPP, t'es un boomer de la dingue, quoi. Si. Moi, je pense que c'est un peu boomer de dire dingue. Ah ouais? Bah, mon père, il dit pas dingue, hein. Mais c'est pas boomer, ton père, c'est, bah, c'est un génie. C'est un génie, mais il est un peu dans... Il est un peu chez les boomers, quand même, quoi. Il est intemporel. Il est intemporel, mais c'est un peu un boomer. Quoi. Ton père, JPEP. Ah, la Dingus, par contre, Dingus, je peux pas. Ça, vous m'entendrez pas le dire, Dingus. Ça, je peux pas. Je suis sûr, on revient dans 2 jours, il dit Dingus. Non. Non, celui-là, je peux pas. Non, celui-là, ça me fait comme JPP à l'époque. Dingus, je peux pas. C'est le. Non. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Narvalo. Ah, oh, Narvalo, c'est vieux, Narvalo. Mon père, je suis sûr, il disait Narvalo. Parce que Narvalo, c'est aussi un truc de boomer. Aïe aïe aïe, j'ai pris cher. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Du pollu. Oh. Ah mais et après peut-être que récemment j'ai eu Christophe Maé dingue de toi là. Dans la tête là. Peut-être hein, peut-être c'est lié hein. Chaos card, ah ouais. Comme ça quoi. Hey. Putain, mais j'en ai marre là. Chez You là, il spam de vidéos là. Bah, enlève les notifs. J'ai pas de notifs, mais je connais des abonnements. Bah, c'est pas ma faute du coup. Bah, si. Non. C'est ta faute de sortir 15 vidéos. Règle tes notifs. Mais j'ai pas de notifs. Alors pourquoi t'as des notifs si t'as pas de notifs? J'ai pas de notifs, mais là je suis en train de regarder ma liste d'abonnements, voir une vidéo. Eh bah mute-moi, désabonne-toi. Ok. Tu te rabonneras après repentance. Attends, 6 ans. De toute façon t'as pas le temps de mater mes VOD. Bah non, mais je regarderai pas. Voilà, par soutien, t'es abonné par soutien. Ça m'énerve. Bah oui. Bah YouTube, je gagne rien. Hein. Ouais, mais c'est pour les chiffres. D'accord. C'est gentil. Mais je regarde des fois. Ah ouais? Genre là, un truc qui s'appelle Outer Wilds. Ah ouais, ouais. Bah c'est bien, faudrait que tu le fasses. Ah ouais? Mais les ennemis, ils laguent en fait. Si je regarde les VOD, je vais me faire spoil du coup. Peut-être que je le fasse avant de regarder les VOD. C'est vrai. C'est pas une mauvaise idée. Surtout que c'est peut-être ton jeu. Hein. Ah ouais? T'as l'autre jour, tu voulais jouer à Disco Elysium quoi? Bah, je sais pas, tu t'as dit que c'était un jeu bien. Bah, c'est trop bien, Disco Elysium. Et surtout que maintenant que je sais que t'aimes lire, donc. J'aime lire. Bah, t'as pris Game of Thrones quand même. Hein. J'ai pris Game of Thrones, j'ai lu. Je sais pas, 115 pages, je crois, en une semaine. Ah, c'est déjà mieux que zéro, hein. Mais je me suis acheté un Kindle. Le Kindle. Le Kindle surprise. Et j'aime lire. T'es abonné à Pomme d'Api, non? Pomme d'Api, c'était quoi le truc d'horreur déjà? Hein? Je sais pas. Tom et Nana? Non. Ah, chair de poule. Les chairs de poule là. Le masque de chair de poule. Ah, du coup, maintenant j'ai envie de revoir la série pour voir si ça suit vraiment le. C'est pas mal ça. Bah, Abaddon, c'est plus du tout une dinguerie en fait. C'est nul. Nul.
Nul, messire. Coupez l'eau. Polo, quoi. Polo, la rasade. Refaire une petite session Discord, là, de... Watch Party, là. La petite Watch Party, les visiteurs 1 et 2. Oh. Et 3. Histoire de bien crever, là. 1 12h repentance, 1 visiteur. 1 12h repentance. Tu préfères quoi ? Jouer à repentance en ayant la musique ou jouer à repentance en ayant le son des 3 visiteurs en même temps ? Quoi ? Enfin, tu vois, tu mets en audio les visiteurs et tu le mets à la place de la musique ou tu préfères écouter la musique. Mais t'as envie de nous tuer en fait, dis-le hein. Non, mais je sais pas, en vrai je me tape hein. Parce que la musique, moi elle commence à me rendre fou hein. Y'a pas de musique. La musique, c'est chez vous. Dans vos têtes. Je crois que j'ai softlock un monstre. Ah non. Dame Béatrice, quoi. Mais. T'es fatigué là? Faut dormir, hein. 7h demain là. 7h du matin. Mec, mais attends, mais faut que j'aille voir ta tête au début du stream ce matin. Je suis pas mal, hein. Mais il a l'habitude de se lever tôt, ça, c'est pas une heure ou deux avant que ça change grand chose. Et parfois, en streamant à 9h, à 7h, je suis là, hein. Je suis debout, quoi. Moi, j'ai du mal à me lever à 7h. Arrête de prendre des coups qui servent à rien, Shishayu, putain. Bah attends, faut que je me concentre, là. Bah non, je vais pas canner, je prends les pires coups, là. Almost rip, là. Almost rip. Quand il va canner. Bah je vais 100% canner en plus. Use ta carte, mais je vais pas utiliser la Chaos Card. Je vais l'utiliser sur le boss, la Chaos Card sur Fistula. Vous vous moquez de moi. Je promets qu'on va sortir des dingueries. Oh merde, les dingueries. Le retour. Mec, il y a quelqu'un dans mon chat. Dans la journée. Tu sais, tu remontes. Bah il me dit, ouais, pourquoi tu retiens pas les layouts de tous les flours comme mais ça plus mais surtout que c'est pas les mêmes en fait. Pourquoi tu te lèves pas à 5h du matin, Mintos? Vas-y, hein. Demain 5h là. C'est chaud. Tu reprends après les ricains là. Oh, les ricains ils finissent plus tard, non? Je sais pas. Pas tous. L'autre jour il y avait Cobalt Streak à 9h du mat. Mais Cobalt il doit faire des 24h là. Toute la journée, c'est chaud. Je sais pas comment il faut. Moi je sais. Tu sais comment ils font? Oui. Vas-y, dis-le. Ils ont un frère jumeau en fait. C'est comme Arturo Brachetti. Ah, moi je pensais qu'ils utilisaient des substances illicites. Non, non. Arturo Brachetti. Il n'y a zéro substance illicite. Voilà. Involved. Jamais. Vas-y, gèle-les. Gèle-leur le cucu là. Voilà. Tout va trop vite dans le jeu. Je fais des dégâts ou je fais pas de dégâts là? Oh, je vois flou. Je sais pas pourquoi mon Dark Art il se déclenche tout seul. Hein. Le jeu il est en mode mais déclenche-le, c'est trop bien l'objet. Qu'est-ce que tu fais là? Il est où le boss bordel? J'en peux plus là. Je veux en finir. Pas espèce des trucs chelous avec Dark Art. Faut que je fasse gaffe. Un petit Dead Cat là? Dead Cat je le prends là. Mais poussez-vous! Putain, les troll bombes, il y en a 18 quoi! Ah mais Shishayu! Putain, Mintos quoi! C'était pas en auto! Mec, le jeu il lag, il relague plus, il fait quoi là? Les patterns des ennemis ralentis, c'est n'importe quoi.
Oh puis c'est toujours plus grand quoi. Toujours plus fort, toujours plus fort. Dark Arts m'a sauvé. Envie de caniculer. Et je l'ai tué. Oh oui. Voilà. Non, je fais pas délirium. Hein. J'en peux plus là. Là. J'ai fait tout ça en une run quoi. Si. Comment tu l'as one shot, Chaos Card? Oh. Nanana. Musique là. Oh. Sur une super secret, la run elle repart. Hein. Non mais faut que j'y aille au void. C'est juste que j'ai plus de tête là. Regarde-moi ça, j'ai clean 18 étages là. Bien. Hein? Combien? À combien? Il faut une pause de N heures là. Non mais Delirium en plus c'est la PLS quoi. Pas Delirium, pas lui. Pas après tout ce qu'on a fait quoi. Tout à l'heure on a fait Delirium 4 coeurs mais on a pris 3 coups que je pouvais pas esquiver quoi. C'est vraiment c'était bon bah yes. 3 coups que je peux pas esquiver. On a quand même battu Delirium. Une raison pour laquelle tu n'utilises pas le bouquin, parce qu'il part. Mais en fait faudrait que je l'utilise maintenant. Parce que tout à l'heure j'utilisais Dark Arts et quand j'utilisais Dark Arts le bouquin il servait à rien parce que je perdais les nonos dès que j'allais au corps à corps d'un ennemi. Tears up. Ah mais voilà. En plus un combien de tears up. Ouais non. Oh Wire Coat Anger dans un coffre jaune. Venez pas me dire le jeu il est pas balance. Hein. Le jeu est pas balance, tout le monde va le dire. Les shops, une fois qu'il y a les shops c'est bon. Un petit Magic Mush là, bah, j'ai déjà écrit 4-7 non. C'est dans cette run que j'ai... Non c'était dans celle d'avant. Item R et c'est reparti. Alors, j'avoue que là si j'ai l'item R je peux repartir du tout début. Tu l'as eu l'item R Mintos? Ouais. Il est pas mal. Il est pas mal hein. Tu l'as eu en Secret Room ou pas? Non. Ah ok. C'est cool parce que moi je pensais que du coup il serait ultra rare quoi. Putain, je prends des coups. J'ai pas dit comment je l'ai eu, mais je l'ai eu quoi. Il a cassé le jeu quoi. Il a pété le jeu, il a eu en Start Eden. 4 coeurs, let's go. C'est bon, c'est 3 de trop. Hein. J'ai eu le temps de faire mes courses, écouter le nouvel album de Demi pendant ta run. Bah, 45 minutes, c'est pas si long en vrai. Je vais quand même pas utiliser la bombe. Mama Mega à l'étage au Void. Ça va mal se passer. Hein. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Oh là le bordel. Oh là le bordel de Mama Mega. T'as re-eu Mama Mega, Mintos? Oh. Non. Oh, j'ai mal à la tête, mec. Oh, faut pas regarder l'écran, hein. Regardez pas l'écran quand il y a Mama Mega qui pop, parce que... Oh, ça one-shot pas lui, là.
Bah yes. Oh, ça vibre un peu trop quand même. L'effet est insane, mais putain, ça pète les yeux, hein. C'est le tremblement qui fait mal. Arrête! Oh! Ah, j'ai saigné du nez, je pense. Je peux pas regarder l'écran, hein. C'est horrible. Oh. C'est que ça vibre! Attends, on peut pas régler le screen shake en vrai? C'est horrible, ça fait vraiment des tout petits tremblements quoi. Ah! Ah, c'est le voisin qui fait de la perceuse là. Ça fait quoi ça déjà? Rien. Se passe-t-il? Bah regarde mon stream là, Mama Mega, c'est horrible. Truc qui apparaît quand t'es dans une salle. Ouais. Ça fait une énorme explosion. En fait, le gros problème, c'est que ça fait des toutes petites vibrations et si tu te concentres sur l'écran, ça fait mal à la tête. Mon voisin, il a percé jusque dans le jeu, quoi. Il est là. Hein. Vous comprenez pas le problème? Ouais, non plus, je comprends pas le problème. Bah, parce qu'avec l'encodage, ça doit être moins dégueulasse, mais jouer au jeu. Avec l'écran devant le nez, là. Je suis concentré, là. Ouais, c'est... peut-être ça défonce un peu. Mec, ça... Mec avec le truc devant les yeux, ça défonce. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est... Peut-être. Ouf. Pa-pam. Oh, ça pique le nez. Ah, mais il peut être partout, Delirium, en vrai, là. Sauf tout en haut. From 3 cœurs to full life, quoi. Ah, mais il l'utilise partout, en plus. Est-ce qu'on peut encore appeler ça jouer? Bah, je joue, là. Ça a été amélioré, la Lost Fly, ou pas? C'est dans le genre bien de la merde, la mouche qui tourne contre les murs là. Ça a l'air d'être toujours une sacrée merde. Hein. Tears plus shot speed up. Oh la barre de savon. Non, honnête. Oh putain, c'était sûr qu'il était là. Il avait une tumeur, le bordel, là. Allez. Là, c'est moi qui fais de la merde. Hein. Les deux coups que j'ai pris, j'aurais pu large les esquiver. Bah, je joue mal. Ma reine, j'ai pas folle en vrai. Par contre, si lui met un brimstone, je peux pas esquiver. Putain, mais genre, vraiment, je veux bien que vous reworkiez pas Delirium, mais tu peux pas juste enlever le coup de pied qui te met un dégât direct alors que le pied n'est même pas là, quoi. Vous pouvez pas juste faire ça, quoi. Non. Celui-là, genre, il existe depuis Day One, il a jamais été patché, hein. Ok, là, je l'ai pas pris, c'est cool. Ça fait plaisir.
Mais tu vas me faire croire qu'on va faire ça avec The Lost, quoi. The Lost sans Elemental. Va falloir péter le jeu, hein. The Lost, pas d'Elemental, Delirium, le jeu, faut plus le casser. Enfin, tu peux, mais c'est chiant. Bien sûr, bien sûr. Non, je suis allé dedans, j'avoue. J'avoue tout. C'est ma faute. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pire qu'avant? Est-ce que tout va plus vite? Je sais pas. Je voulais le finir au churu des rues, quoi. Non, moi c'est pas la vie, c'est juste la vitesse des boulettes. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant, quoi. Oh. Le nouveau mode hard, ouais, mais le nouveau mode hard, tous les ennemis sont pas plus rapides. S'ils ont activé les boulettes plus rapides sur Delirium sans remettre à jour Delirium, c'est quand même une sacrée connerie, quoi. On voit bien les moustaches de papa sur la photo. Là. C'est Big Flo, quoi. Alors écoute-moi bien, petit. Bon, toi, on va te battre. Merci Sentinel pour les 6 mois Prime Gaming. Des gros bisous. Dark Arts. Ah bah, j'ai débloqué Dark Arts, justement. Faut faire Delirium avec lui. Attends, avec lui, il me reste quoi, du coup? Chemin alternatif. Fin. La fin spéciale. La nouvelle fin. Le Gridilleur. Et The Lem, enfin. Blue Baby. Crois, dans 3 mois, on y est encore. Hein. Je pense qu'on va aller sur Blue Baby, ouais. Au revoir, YouTube.